Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue parmi nous. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur en fait d'organiser cette session d'information sur l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le GDN. Je m'appelle Khadijatou Maoussama. Je travaille au GDN dans l'équipe Green Research et je travaille sur les systèmes de recherche en Afrique. Et aujourd'hui, en fait, je suis avec cette session d'information. Je vais vous en parler en fait avec mon collègue Dr Daniel Foussi, qui aussi est membre de l'équipe Green Research. Donc, il a aussi travaillé en fait, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de cette méthodologie sur particulièrement le cas du Nigeria. Voilà. Donc, concernant la présentation, c'est moi qui vais faire la présentation parce que, bon, Daniel comprend anglais mais pas français. Donc, c'est moi qui vais vous faire la présentation et après, éventuellement, on pourra le solliciter quand il s'agira de poser les questions. Concernant le plan, je vais dans un premier temps vous présenter le Global Development Network. Ensuite, je vais vous présenter son programme phare qui s'appelle le Green Research Programme. Puis, je vais procéder, en fait, je vais aller vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'appel à manifestation d'intérêt qui fait l'objet de cette session d'information. Et enfin, je vous donnerai la parole donc, à vous, l'auditoire, aux membres de l'auditoire, afin que vous puissiez poser des questions et nous tenterons avec Daniel d'apporter des réponses à vos questions. Donc, concernant le programme, le GDN déjà, en fait, c'est une institution internationale qui a été créée en 1999. Son siège se trouve en Inde. Et actuellement, en fait, récemment, un nouveau bureau a été ouvert en France, dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand. Donc, cette organisation internationale a comme directeur général M. Pierre Jacquet. Et la mission, vraiment, cette institution, en fait, vise à renforcer les capacités dans les pays en développement en appuyant la recherche en sciences sociales. Dans ce cadre-là, donc, les programmes du GDN portent sur trois niveaux, en fait, d'intervention. En commençant du bas vers le haut, donc, nous avons les chercheurs, c'est-à-dire le niveau individuel, donc. Le GDN les appuie en leur donnant des financements. Nous avons également le niveau institutionnel et enfin, nous avons le niveau systémique. Donc là, ce sont vraiment des systèmes de recherche donc à part entière qui sont soutenus par le GDN. Et bien entendu, les systèmes de recherche englobent les institutions et dans les institutions, on va encore retrouver des chercheurs qui sont donc au niveau individuel. Concernant le programme Green Research même, donc c'est un programme en fait qui a été mis en place par le GDN en 2014 et c'est parti en fait d'un constat, c'est que le problème en fait voilà qui existe, c'est que justement en matière, il n'y a pas en fait assez de données sur les systèmes de recherche en sciences sociales dans les pays en développement. Donc, partant de cette limite, de ce problème-là, le programme Green Research se fixe pour objectif de comprendre, de cartographier et d'évaluer les systèmes de recherche en sciences sociales dans les pays en développement. Parce que, bon, on part du principe qu'il faut d'abord connaître, en fait, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas pour un système de recherche donné afin éventuellement de prévoir quels sont les types d'appui les plus pertinents permettant justement de relever les défis. Donc, les objectifs assignés à ce programme sont principalement, ils sont au nombre de trois. D'abord, il s'agit en fait de procéder à une identification des forces et des opportunités qui s'offrent en fait au système de recherche, mais tout en analysant également et principalement d'ailleurs les faiblesses et les menaces en fait qui affectent les systèmes de recherche en sciences sociales dans les pays en développement. Comme deuxième objectif, il y a également en fait la collecte de données originales sur les systèmes de recherche en sciences sociales et cette collecte de données nous conduit en fait au troisième objectif qui vise en fait à produire un cadre de référence permettant en fait de comparer
les systèmes de recherche entre eux. Donc, concernant le programme même, en fait, ce programme a connu en fait une évolution. Il y a d'abord eu une phase pilote de 2014 à 2016 qui a concerné 11 pays, notamment en Afrique. Nous avons l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et aussi le Niger. Donc, c'est vraiment une première étude qui a été faite pour ces pays-là. C'était vraiment dans le cadre d'une phase pilote afin justement de prévoir la suite, voilà, la suite concernant même la mise en œuvre du programme. Ensuite, il y a eu comme deuxième phase, la phase de démonstration de faisabilité. Là, elle s'est déroulée de 2018 à 2019 et a porté sur 4 pays. Il s'agit de la Bolivie, de l'Indonésie, du Myanmar et du Nigeria, donc en Afrique anglophone. Donc, à l'issue de ces deux phases, il y a eu en fait des échanges très constructifs entre le GDN et des experts qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, ces échanges ont permis vraiment de nourrir encore plus en fait le programme et de permettre en fait au GDN de mettre en place la phase, déjà une méthodologie afin d'évaluer les systèmes de recherche. Et donc, il y a eu une phase de mise à l'échelle, la troisième phase. Donc, la phase de mise à l'échelle a démarré en 2021 et elle a concerné en fait le Salvador. Mais il faut souligner quand même qu'il y a eu une étude préliminaire à côté qui a concerné le Venezuela, mais c'était vraiment bon. Préliminaire, voilà, dans le sens où ce n'était pas vraiment une étude très détaillée. C'était justement pour avoir vraiment un début, en fait, de notions, d'informations sur le système de recherche et d'innovation technologique du Venezuela. À partir de 2022, toujours dans cette phase de mise à l'échelle, parce que la phase de mise à l'échelle, en fait, à partir de cet instant, en fait, c'est que le GDN se fixe pour objectif, en fait, de faire de ce programme-là vraiment un programme à visée internationale, en ciblant bien entendu les pays en développement. Donc, à partir de 2022, le GDN a décidé de se concentrer sur l'Afrique francophone, ouais, voilà, dans le cadre de ce programme-là. Ce programme, bon, je tiens à souligner que ce programme est dirigé par M. Francesco Obino. Et donc, pour la partie Afrique francophone, donc moi, j'interviens principalement dans la partie Afrique francophone et je vous disais en introduction que Daniel a travaillé sur le cas du Nigeria. Voilà, donc concernant maintenant les étapes même, donc toutes ces études qui ont été faites en fait donc durant la phase pilote, la phase de la phase pilote et aussi la seconde phase, donc ça a permis en fait de mettre en place en fait une méthodologie à part entière qui s'appelle la méthodologie Green Research Assessment. Donc cette méthodologie en fait consiste à elle repose sur trois étapes principalement. D'abord, il y a en fait une première étape qui est l'analyse du contexte. Donc là, l'analyse du contexte, c'est vraiment de prime abord essayer de comprendre dans quel contexte se trouve le système de recherche que nous sommes en train d'étudier. Il s'agit là de voir quel est le contexte politique, le contexte, parce que souvent, vous savez, il peut y avoir éventuellement des coups d'État qui peuvent aussi perturber le déroulement de la recherche. Donc, il s'agit aussi de voir le contexte économique, le contexte historique, le contexte international dans lequel se trouve le système de recherche en question. Et vraiment, le but de cette phase, c'est donc d'identifier donc, les facteurs pertinents en fait, qui affectent la qualité de la recherche, donc au sens large, qui affecte en fait la performance des systèmes de recherche des pays étudiés. Ensuite, comme deuxième phase de cette méthodologie, nous avons la cartographie des parties prenantes. Il s'agit là vraiment de voir, d'identifier quels sont d'une part les producteurs de recherche pour un pays donné, et quels sont les utilisateurs de la recherche? Donc, producteurs de recherche, donc automatiquement, on pense aux chercheurs. Mais est-ce que quand ces chercheurs produisent de la recherche, est-ce qu'elle est utilisée par les décideurs pour concevoir des politiques pertinentes de recherche qui vont par la suite contribuer au développement du pays? Donc, dans ce sens, cette deuxième étape, elle a vraiment pour but également d'analyser les interactions entre les différents
les différentes parties prenantes. Est-ce qu'il y a des échanges, des interactions, des transferts? Ceux-ci produisent, est-ce que ceux-là les utilisent ou pas? Ensuite, nous passons à la troisième étape qui constitue vraiment le cœur même de la méthodologie Green Research Assessment. Donc, là, c'est vraiment le cadre de la méthodologie. Là, en fait, il s'agit de collecter. Le but, c'est vraiment de collecter des données, que ce soit des données, en fait, sur en termes aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, ce tableau nous donne une indication, en fait, sur le cadre donc, de référence du Green Research Assessment. Nous avons donc, en fait, il s'agit de s'intéresser aux trois fonctions clés des systèmes de recherche, à savoir la production de recherche, la diffusion de recherche et la prise en compte de la recherche dans un pays donné. Et là, vous pouvez voir, on tient compte des inputs, donc des activités, des outputs et résultats. Et ça nous permet d'avoir en fait une liste de 12 déterminants. Et quand on prend les déterminants au sein des déterminants, chaque déterminant aussi a des indicateurs, voilà, des indicateurs qui lui sont propres. Donc vraiment ici, il s'agit de déterminer les indicateurs pour ensuite pouvoir faire des comparaisons avec d'autres pays. Si je prends juste un exemple ici, si je prends people, donc population, là, on peut s'intéresser comme indicateur, on va s'intéresser au nombre de chercheurs par million d'habitants. C'est un indicateur clé qui permet d'avoir une idée sur la situation déjà de la recherche, donc l'investissement d'un pays donné dans la production de chercheurs. Ça permet de comparer des pays, voilà, et force est de constater que justement cette donnée-là, elle manque, surtout pour les pays qui sont encore, qui ont du chemin à faire en matière de développement de la recherche. Donc c'est un indicateur qui manque. Donc bon, à travers cette méthodologie, on espère vraiment avoir des données de ce genre-là. Donc, passons à présent à l'appel à manifestation d'intérêt même qui fait l'objet de cet appel, de cette session d'information. Déjà, donc, cet appel donc, a été lancé par le programme Green Research du GDN. Et c'est un appel qui vise à évaluer les systèmes de recherche en sciences sociales dans les pays, donc en Afrique francophone. Comme je l'ai dit, à partir de 2022, nous nous focalisons sur l'Afrique francophone. Et aussi, donc, je tiens, voilà, puisqu'on parle d'appel à manifestation d'intérêt, donc je vais juste une petite parenthèse dire que très prochainement, en tout cas en 2022, le GDN compte lancer d'autres appels toujours axés sur l'Afrique francophone. Donc, ça ne va pas tarder en tout cas à être voilà, lancé. Ce sont deux appels donc, qui concernent le renforcement de capacités institutionnelles, individuelles, mais également un deuxième appel qui concerne en fait les think tanks sur une zone plus ciblée. C'est vraiment, ça sera concernant le Sahel. Donc, si on revient à notre appel qui fait l'objet de cette session d'information, je disais que donc, c'est pour évaluer les systèmes de recherche et pour ce faire, donc, nous aurons en fait besoin de recruter des points focaux qui sont basés en Afrique francophone. Mais alors, que signifie être un point focal pour le programme Green Research? De prime abord, être point focal suppose que en fait on s'engage en fait à devenir membre d'un réseau mondial qui est axé sur les sciences sociales. Ensuite, un point focal sera chargé en fait de la mise en œuvre et de l'adaptation de la méthodologie Green Research Assessment que je viens de présenter. Concernant la mise en œuvre, donc cela reviendra pour, j'ai envie de dire pour le point focal, ça reviendra en fait dans un premier temps à faire une revue des rapports déjà qui existent sur la méthodologie Green Research Assessment. Et ensuite, de faire également une revue de la littérature sur le système de recherche qui est étudié. Quelles sont, voilà, les informations dont on dispose déjà sur le système de recherche en question. Et ensuite, j'insiste sur le mot adaptation. Adaptation de la méthodologie parce que finalement, ce n'est pas en fait une méthodologie qui n'est pas figée.
Le GDN s'attend à ce que les points focaux se l'approprient et qu'il l'adapte au contexte local. Parce que même s'il est vrai qu'il y a des défis qui sont communs dans le domaine de la recherche à plusieurs pays africains, notamment le manque de financement, le manque de matériel, il faut reconnaître et garder à l'esprit que la construction des systèmes nationaux de recherche s'est faite différemment d'un pays à l'autre. Le système de recherche sénégalais n'est pas identique au système de recherche malien, qui est différent du système de recherche nigérien ou guinéen. Donc, à travers cette méthodologie, le GDN veut vraiment que les points focaux contribuent justement à l'adapter à leur pays dans lequel donc ils vont mettre en œuvre la méthodologie. Donc le GDN est ouvert aux propositions pour voir dans quelle mesure est-ce que voilà, ça peut être adapté. Et c'est un plus, hein, puisque ça permettra de relever les spécificités des systèmes de recherche étudiés. Il est également attendu du point focal de rédiger, sur la base de la recherche conduite, de rédiger un rapport pays qui va faire ressortir donc les différents résultats, donc que ce soit l'analyse de contexte, que ce soit la cartographie des barres de fond, voilà, les interactions entre la cartographie des parties prenantes, les interactions entre parties prenantes et également la production d'indicateurs, donc des données vraiment chiffrées qui permettent d'en savoir plus sur le système de recherche. Et il est enfin attendu du point focal de contribuer à la dissémination des résultats. Donc, une fois que les résultats seront là, il y aura des événements, je vais en parler un peu plus loin, donc il y aura des événements qui seront donc en charge de contribuer à ce que les résultats soient connus à l'échelle nationale, mais également internationale. Concernant donc le chronogramme des activités, donc quand on devient point focal, donc cela suppose que la candidature de telle équipe a été retenue. Donc comme activité, donc à titre indicatif, donc certainement il y a, oui voilà, ça va peut-être un peu être modifié, mais vous serez tenu au courant. Dans un premier temps, si vous êtes retenu en tout cas, donc nous prendrons contact avec vous pour même les questions de contractualisation. Ensuite, il y aura un séminaire régional. Avant même que vous ne commenciez vraiment de mettre en œuvre la méthodologie, il y aura un séminaire régional. Ce sera en fait une occasion de regrouper non seulement quelques membres des différentes équipes sélectionnées. Les équipes sélectionnées, petite précision, pour le moment, on compte en sélectionner 5. Mais bien entendu, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres séries. C'est vraiment l'objectif. Ainsi, ça peut couvrir beaucoup de pays. Si le programme peut couvrir beaucoup de pays, c'est ce que c'est ce qui est espéré en tout cas, souhaité. Ouais. Donc, ce séminaire régional va regrouper donc les membres des équipes nationales, l'équipe Green Research et également d'autres mentors qui seront là pour vous soutenir pendant donc la réalisation de ce projet. Ensuite, comme activité, donc la méthodologie du research assessment même, donc sa mise en œuvre ainsi que la rédaction des rapports. Donc là, ça va être autour de... Normalement, vous commencerez les activités donc en novembre 2022. Il y aura ensuite une conférence à mi-parcours à laquelle vous serez invité. Et concernant justement le séminaire régional et la conférence à mi-parcours, par exemple, voilà, ce sont des occasions qui permettent justement de réunir des équipes qui font partie de pays différents dans une perspective de création de réseaux régionaux, voire même voilà, continental. Donc, voilà. Donc, ce sont des occasions pour vraiment renforcer le partenariat entre les différentes équipes. Également, il y aura des événements de dissémination des résultats. Donc, là aussi, il y aura un événement de haut niveau qui sera organisé par les équipes nationales et le GDN à l'échelle locale, et ça sera une occasion en fait d'inviter les différentes parties prenantes, parce que la finalité c'est que les résultats soient connus de tous et dans la mesure du possible, particulièrement concernant les décideurs, quand ils en prendront connaissance, la finalité c'est que éventuellement ils en tiennent compte dans la conception des politiques de recherche afin de contribuer plus efficacement au développement de leur pays. Enfin, il y aura une conférence finale en 2024
Mais bon, c'est vrai, peut-être, bon, voilà, il y aura une conférence finale, voilà, les équipes vont encore se rencontrer avec l'équipe d'une recherche, mais nous insistons sur le fait que ça ne veut pas dire que c'est la fin du partenariat. Comme j'ai eu à le dire, les équipes s'engagent en fait à être membres d'un réseau, donc nous espérons vraiment que le partenariat se poursuivra. Il y a eu déjà des cas, comme je vous en ai parlé, de méthodologie d'une recherche assessment qui ont été déjà mis en place dans d'autres pays. Jusqu'à aujourd'hui, les partenariats continuent sous diverses formes. Donc voilà, la finalité, c'est vraiment de continuer et d'enrichir le réseau à l'échelle continentale et plus précisément à l'échelle africaine. Et pour mener toutes ces activités, enfin pour mener en tout cas ce projet-là, chaque équipe de recherche aura 50 000 euros. Ces 50 000 euros seront répartis par tranche. En principe, hein, en principe, ça sera en quatre tranches, oui, en principe. Donc, voilà, concernant voilà, le budget. Maintenant, pour ce qui est même de la procédure de candidature, donc, vous aurez à envoyer des documents. Il s'agit déjà des CV des membres de l'équipe. Également, vous aurez à fournir, en fait, le document de manifestation d'intérêt qui sera à remplir, et enfin une lettre de soutien du directeur de l'institution par laquelle vous passez pour candidater. Tout ce dossier sera envoyé à l'email de l'équipe Green Research. Et donc, bon, maintenant, pour vous donner quelques conseils permettant de construire en tout cas des candidatures pertinentes, déjà, j'aimerais souligner que nous tenons compte, voilà, de la composition des équipes de recherche. Et là, il s'agit notamment de la pluridisciplinarité. Voilà, quand je dis pluridisciplinarité, donc voilà, c'est ouvert, hein, à plusieurs domaines, mais pluridisciplinarité, par exemple, juste un exemple, avoir un statisticien dans votre équipe serait un plus, parce que vous aurez à manipuler des données dans le cadre de ce projet-là. Donc, un statisticien sera très bénéfique pour vous et ça va donner du poids à votre candidature. Même si, bien entendu, durant le séminaire, l'atelier de démarrage dont j'ai parlé, donc, même si durant l'atelier de démarrage, il y aura en fait un data scientist qui va vous, comment dire, qui va vous dispenser, voilà, une formation en termes de traitement de données. Mais toujours est-il que pour la suite du projet, vous aurez besoin d'un statisticien, donc autant qu'il fasse partie de votre équipe. Nous tenons également compte du genre, voilà, si vous pouvez en tout cas tenir compte de cet aspect-là, ça pourrait donner un poids à votre candidature. Le genre, parce que le GDN a décidé, en tout cas, depuis cette année, a décidé vraiment de promouvoir le rôle des femmes dans la recherche. Et force est de constater qu'en Afrique, justement, les femmes scientifiques sont non seulement sous-représentées dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, même si il commence à y avoir des évolutions ces dernières années. Mais en plus, un autre constat, c'est que les femmes scientifiques, même quand elles existent, elles sont souvent invisibles. Donc là, si vous avez, en tout cas, on vise, hein, l'équilibre homme-femme, mais bon, en tout cas, au moins si vous pouvez avoir une femme dans votre équipe, ce sera un plus. Et pourquoi pas, si sa carrière, sa trajectoire est pertinente et qu'elle est leader d'équipe, ça pourrait encore donner plus de poids à votre candidature. Il faut également tenir compte des compétences. Donc là, ce qui est demandé, c'est vraiment des compétences en analyse qualitative et quantitative, bon, parce que vous aurez à conduire des entretiens au niveau des différentes parties prenantes, notamment vous irez dans des ministères, dans les institutions de recherche, c'est-à-dire les universités, les instituts de recherche, en tout cas toute institution ayant un point, comment dire, ayant un rapport avec les sciences sociales finalement, principalement vraiment les sciences sociales. Et aussi, en fait, dans la constitution de votre équipe aussi, dans l'idéal, ainsi vous pouvez aussi avoir des membres qui ont déjà une expérience antérieure en matière d'analyse des processus organisationnels et institutionnels dans le domaine des STI, sciences, technologies et innovation.
ça peut également être un plus pour votre candidature parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous aimerions travailler avec des gens qui vont contribuer justement à adapter la méthodologie d'une recherche assessment au contexte local. Donc, avoir déjà une expérience antérieure sur l'étude de ces sujets-là serait un plus. Maintenant, en termes de critères, donc, compte tenu de ces, voilà, de ces points dont je viens de parler, en termes de critères, bien entendu, nous allons dans un premier temps considérer l'éligibilité. Et pour ce faire, bien entendu, on regardera le pays. Donc, il faut que le pays fasse partie de la liste des pays éligibles mentionnés dans l'appel. Nous tenons compte également de la langue. Il s'agit de l'Afrique francophone, donc là, la langue de soumission des candidatures sera le français, de même que la langue de travail finalement, la langue de rédaction des rapports sera également le français. L'institution, bon, là aussi, c'est, bon, bien entendu, voilà, c'est l'un des critères d'éligibilité aussi. On regarde l'équipe de recherche, quand elle candidate même, voilà, c'est quelle institution en fait, la nature même de l'institution, ça aussi, ça joue dans l'éligibilité, donc ça nous permettra déjà de faire voilà, une longue liste que nous allons mettre de côté, la liste des candidatures éligibles et celle des candidatures non éligibles. Donc une fois que nous avons la liste des candidatures éligibles, nous procéderons au classement de ces candidatures en leur affectant des points. Et là, les points vont concerner non seulement l'équipe de recherche dans son ensemble, mais également en prenant les membres voilà, individuellement, compte tenu de leur expertise, voilà, regarder en fait leur expertise, la pertinence de leur expertise et aussi la complémentarité entre les différents membres. Aussi, nous accorderons aussi des points, comme critère d'évaluation, nous tiendrons compte également des motivations à devenir point focal. Et ces motivations-là, vous aurez bien entendu, dans le document de manifestation d'intérêt, donc vous aurez à fournir, voilà, à parler de vos motivations. Donc ça aussi, ça sera noté. Et aussi les compétences en collecte de données, ainsi que l'accès aux principales parties prenantes. Donc quelle est votre capacité, en tout cas à partir de votre candidature, on va essayer de voir quelle est votre capacité à avoir plus ou moins accès aux principales parties prenantes. Voilà, si je prends un exemple simple, un chercheur qui a déjà peut-être collaboré avec un ministère ou a conduit carrément une recherche sur la recherche de son pays, on suppose justement que déjà il a, comment dire, le contact, voilà, il peut facilement avoir accès à ces institutions-là. Et nous tiendrons également compte de l'expérience donc, d'études, comme je l'ai dit, des secteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et enfin, comme autre critère, il y a les publications que vous aurez à fournir et les projets antérieurs que vous avez conduits. Enfin, comme autre facteur, autre critère qui va jouer dans cette sélection, il y a le genre, je viens d'en parler. Donc, si vous avez des femmes si nous avons des femmes dans l'équipe et également des femmes leaders, ça aussi, ça pourrait donner un poids à votre candidature. Sur ce, voilà. Merci de votre attention. Donc, à présent, on va passer à la session de questions-réponses. Donc, je vous propose en fait vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais. Comme je l'ai dit, Daniel parle anglais, donc Daniel pourra éventuellement répondre à certaines de vos questions. Et bien entendu, je peux me charger en fait de les traduire pour le reste de l'auditoire. Également, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on aura certainement l'occasion d'en parler. Merci. La parole est à vous. Donc, ok, donc, je vois Edouard. Juste un instant, excusez-moi, tant que... Voilà, donc je vois là un certain... Voilà, s'il vous plaît, donc Edouard, allez-y s'il vous plaît. Oui, la parole est à vous. Monsieur Edouard
Monsika, oui, allez-y s'il vous plaît, la parole est à vous. Ah, apparemment, il ne nous entend pas. Monsieur Edouard. Bon, dans ce cas, donc, je passe la parole à Monsieur Wolf Ulrich. Can you hear me, Daniel? Can I hear you? Okay, so I'm trying to give the floor to participants, but I don't hear them. Okay, so donc nous allons passer, s'il vous plaît, Monsieur Nouron. Oui, c'est bien, Monsieur. Monsieur Nouron Sidibé, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Ah, donc on me dit que le son est bloqué. Ok. Azhar? Yes. Please, can you give the floor to the participants? Yeah. 1 minute. They say they can. I think they can't for the moment. They can't. We can't hear them. Yeah. So Khadija Tui may also pass through the Q&A and also the chat box to see if there are any questions or clarifications need to be done so far. Okay. Okay, so yeah, there is a question about bon, excusez-moi. Il y a une question d'Edouard, donc Monsieur Edouard Nga Monsika, qui demande quelle est la taille de l'équipe. Voilà, donc pour la taille, hein, il n'y a pas de taille prédéfinie, non. Vous êtes libre de constituer votre équipe, hein, il n'y a pas, voilà. Pour ça, il n'y a pas de taille, voilà. Il n'y a pas d'indication sur la taille, c'est vous qui voyez en fait. Donc, maintenant, Monsieur Nouron Sidibé, vous nous entendez? Je vois une question donc de Madame Victorine Ridlaine, voilà, Nzino, qui demande quelle est la date limite de soumission. Donc l'appel à manifestation, la date limite a été reportée. Initialement, c'était le 31 mai, mais désormais, c'est le 30 juin 2022. Je vois ensuite, toujours, c'est madame, non, c'est pas madame. Oui, c'est toujours madame Victorine qui demande si l'enregistrement sera disponible pour les participants. Oui, je confirme que ça sera mis en fait en ligne sur le site du GDN et vous pourrez y avoir accès, oui. Excuse me, Azhar. Yes, yes, Kariatu. Can they? I think even now they can't. They can't speak. No, can no. What's you let them? What's the name? There is, for example, Mr. Nouron Sidibé.
who raised his hand. Okay, okay, so, 1 minute. Yes, I allowed to speak, so now you can, okay. Can speak. Thank you. Okay. Okay, thank you. Donc, Monsieur Nouron Sidibé, la parole est à vous. Vous pouvez poser votre question en français ou en anglais. Hein? Monsieur Nouron Sidibé. Vous m'entendez? Voilà, là nous vous entendons, oui. Bonjour, oui, nous vous entendons. Bien, oui, j'avais, bonjour tout le monde. J'avais déjà posé la question dans le chat. Je disais, dans le cadre de votre appel, quelles sont les disciplines qui rentrent dans les sciences sociales? Parce qu'il y a, différentes conceptions des sciences sociales. Et maintenant, quelles sont aussi les institutions éligibles, c'est-à-dire dans lesquelles on doit vraiment postuler? D'accord, ok. D'accord. Donc, concernant les sciences sociales, il y a des domaines comme l'économie, la sociologie, l'histoire, la géographie, l'anthropologie. Mais peut-être une petite précision, c'est que même si c'est une étude, en fait, c'est un projet qui vise à évaluer les systèmes de recherche en sciences sociales, cela ne suppose pas que l'équipe doit être constituée que par des gens qui relèvent de ces domaines-là. Voilà, j'espère que... Oui, donc, petite précision, voilà. Vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas forcément du domaine des sciences sociales. L'importance pour nous, c'est vraiment qu'à partir de ce projet Doing Research Assessment, l'équipe montre qu'elle est motivée, hein, motivée, voilà, à contribuer à l'évaluation du système de recherche de son pays et qu'à partir de cet instant-là, il y a un partenariat sur le long terme qui sera mis en place entre le GDN et l'équipe. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Maintenant, concernant l'institution même, votre équipe, comme on l'a dit, ce sont des équipes de recherche qui constituent les points focaux. Maintenant, les équipes de recherche postulent à travers des institutions. Et les équipes de recherche peuvent postuler à travers des universités, par exemple. On peut avoir dans une université un laboratoire de recherche qui s'intéresse au projet et qui postule. Donc, ce n'est pas toute l'université, mais c'est une équipe de recherche de l'université. Mais quand ils vont candidater, ils vont le faire via cette université. On peut également avoir l'exemple d'un institut de recherche. Donc, un institut de recherche, voilà, qui s'intéresse au sujet, ça peut être un institut de recherche étatique ou bien, j'ai envie de dire, ça peut être également un laboratoire de recherche. Mais ce qu'il faut surtout préciser, c'est que nous ne sommes pas en fait à la recherche de, j'ai envie de dire, de consultants. Voilà, ça vraiment parce que ça ne permet pas de concrétiser l'objectif qui vise en fait à pérenniser le partenariat. Parce que si c'est des consultants, bon, on suppose hein, en tout cas qu'ils vont faire le travail, ok, ils vont finir, ils vont avoir les financements, ils vont finir le travail et tout. Mais qu'en est-il de la suite, quoi? Ça ne permet pas vraiment de compter sur, voilà, une pérennisation de, comment dire, ça ne permet pas vraiment de compter sur un partenariat sur le long terme. Donc, voilà, donc côté institutionnel, déjà, un regroupement de consultants serait exclu, voilà, comment dire, de la procédure de candidature, tout simplement. Mais sinon, équipe de recherche, oui, ça peut être un centre de recherche qui a été mis en place hein, par des chercheurs, parce que nous sommes conscients qu'en Afrique, compte tenu justement des mauvaises conditions de travail dans des institutions publiques, il y a de plus en plus de chercheurs qui ouvrent leur propre centre de recherche. Ces centres-là sont nettement, oui, ils sont éligibles. Voilà, ce n'est pas forcément des centres, des structures publiques, non. C'est juste, voilà, je ne sais pas si, voilà, c'est ce que je peux dire concernant votre question. Ouais. Merci. Je vous en prie, oui, d'accord. Donc maintenant, monsieur Sidi Mohamed. Allez-y, s'il vous plaît.
Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend, oui, on vous entend. Mais moi, je ne vous entends plus. Ah, c'est... Bon, moi, j'ai une question par rapport au processus de candidature. Donc, vous avez reporté jusqu'au 30 juin donc, les candidatures. Bon, moi, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y aura d'autres, bien sûr, webinaires d'information pour ceux qui vont nous rejoindre? Et quand est-ce qu'on pourra connaître le résultat final des sélections pour ceux qui ont déjà déposé? Ça rejoint une question qui a été aussi posée par l'un des collègues. Merci. Donc, d'accord. Merci pour votre... Juste pour demander... Donc, si je comprends bien, vous avez déjà soumis votre candidature? Mais j'entends rien, moi. Ah, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Moi, je vous entends bien, ouais. Ouais, je voulais juste une petite précision concernant votre question. Vous m'entendez maintenant? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai... Si je fais une mauvaise manipulation, mais... Mm-hmm. Bon. Bon. Donc, bon. Je vais quitter et vous rejoindre de nouveau. Comme d'accord, ça, d'accord. Donc, je note. OK, d'accord. Et donc, s'il vous plaît, monsieur Wolf Ulrich. Je ne sais pas si je... Désolée si je prononce mal votre nom. Monsieur Wolf Ulrich, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Jesse, je suis stagiaire à Clermont-Ferrand. Pour le GDN. Et je voudrais poser une question par rapport à votre présentation. La question, c'est de savoir est-ce que dans le profil de ceux qui vont former l'équipe, est-ce qu'on autorise des étudiants aussi? D'accord. C'est la question, c'est ça. OK, d'accord. OK, bon, moi, personnellement, je dirais étudiant, même si, je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire master ou doctorat, parce que ça va du master au doctorat, mais à mon sens, hein, les étudiants en master, non. Il y aura un autre, en fait, appel qui sera lancé pour appuyer les jeunes chercheurs. Mais dans le cadre du programme Doing Research, les jeunes chercheurs, bien sûr, il y a non seulement en fait le genre que le programme aimerait, comment dire, la participation des femmes que le programme aimerait promouvoir, mais également les questions de la contribution des jeunes. Voilà, les jeunes chercheurs, moi, bon, en tout cas, je dirais que un doctorant, pourquoi pas. Mais dans le cadre de ce programme-là, des étudiants en master, par exemple. Pour moi, non, je dirais que non. Daniel, please, can you hear me? Okay, so his question is about, let's say, the composition of the team. He'd like to know if students are allowed to be part of the Green Research Program National Focal Points, yeah. Yeah, so, students are also allowed. So the team can be of any size, and students are allowed. And this maybe wants a team that is a base in Francophone Africa. That means if the students are there, it should be they are also part of the institutional team. They should not be, I think, as alone as a team, as only students, because they will be lacking the base of where they are basing. Yeah. Okay. Yeah. Okay, so master, for you, it is okay to be... Master students is okay, as I've said, if they are part of the bigger team, or if they are based in a certain institution, yeah. Okay, donc Monsieur Jesse, donc voilà, donc Daniel dit que
les étudiants sont autorisés à faire partie de l'équipe. L'essentiel, la condition, c'est qu'ils fassent partie de l'institution même et qu'ils soient basés donc, en Afrique francophone. Donc, les étudiants en master, hein, pourquoi pas aussi. Voilà. OK. So, now, Monsieur Brahim El Morshid, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. En fait, je tiens d'abord à vous remercier pour cette présentation assez claire et pertinente. Moi, ma question est la suivante. Puisqu'il y a un report des délais pour la fin du mois, je ne sais pas si on a le droit de retirer un dossier déjà envoyé afin de le perfectionner davantage en fonction d'un certain nombre de critères que vous aviez avancés. Merci. Ah, d'accord. Je vous en prie. So, OK. Daniel, yeah. His question is about, you know, as the deadline has changed. So he'd yeah. like to know if those who applied before will be allowed to take their applications and take account of the criteria of selection and improve their applications, or they just have to. I've seen that. Deadline on 30th of this. We didn't hear you. Yeah, there was, I think, a problem. We didn't hear the beginning. Yeah, what did you say? Yeah, I'm saying that is okay. They are allowed to revise their application documents, and then resubmit it by the end of 30th of this June. So they are allowed. All the team members whom they have sent their applications already, they're allowed to withdraw the application. That means they're allowed to refining, revising, and then resubmit. Yeah. Okay. Donc, si vous m'entendez, monsieur, Daniel dit que vous êtes autorisé. Hein. Vous êtes autorisé à retirer donc vos candidatures et à les améliorer pour fin juin. Voilà, pour fin juin. Et personnellement, bon, je dirais peut-être ceux qui n'auront pas retiré leur candidature. Moi, en tout cas, je me dis qu'on pourrait tenir compte du fait qu'ils ont candidaté avant cette nouvelle date de limite. Oui, c'est vrai. Peut-être j'aurais dû même le préciser. C'est vrai, puisqu'on a, oui, il y a des critères qui sont entrés en jeu, notamment le genre. C'est vrai que c'est après, mais bon, on verra bien. Non, le genre était déjà inclus. Excusez-moi, le genre était déjà inclus. Mais pourquoi pas? Maybe one thing. Pourquoi pas? Mm-hmm. What I added is that even if a team didn't take back the application, I think that during the selection we could take account of the fact that they submitted their application before the new deadline. We have the date of submission, so we have this information, yeah, in our database, yeah. So what I was just trying to emphasize on that. So for the teams which they have already submitted, and mm-hmm. if we want to receive new submissions from them, then we'll consider the older applications, so they don't have to worry, yeah. Excuse me, they'd like to take back their what I'm saying, that if the teams want to resubmit new application, okay mm-hmm. they can just do that and say this is a new application, we submitted the ones before, but this one is an update. But for those who will not resubmit the new application, the update application, then the older applications will be considered. So they shouldn't have to worry, yeah.
Okay, that's what I added to him. Okay, thank you. Yeah, Donc, yeah. voilà, c'est voilà, il rejoint ce que je vous ai ajouté comme réponse, c'est que même si vous ne retirez pas votre candidature, puisque nous avons les dates de soumission, nous tiendrons compte du fait que vous avez soumis avant la nouvelle date de candidature. Maintenant, ce qu'il ajoute aussi, c'est que vos candidatures, si vous les retirez, de nous tenir au courant, quoi, de nous dire que, voilà, que vous retirez votre candidature et que vous allez soumettre. Oui, nous-mêmes, ça va nous permettre, en fait, de garder de côté votre candidature en attendant la nouvelle. Ça nous permettra, voilà, de n'évaluer finalement que la nouvelle que vous aurez à soumettre. Voilà. Mais sinon, bon, voilà, donc rassurez-vous, même si vous ne la retirez pas, on tiendra compte de ce détail-là. Oui. Merci. Parce qu'effectivement, hein, c'est vrai, effectivement, les gens qui ont soumis avant qu'on ne mette en avant cette question de genre, ils n'ont pas forcément dans leur équipe, voilà, il y a des équipes qui sont, voilà, qui n'ont aucune femme, par exemple, c'est juste à titre d'exemple, quoi, voilà. Donc, bien entendu, on tiendra compte du fait que c'était, ils avaient soumis avant, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Monsieur Apollo Jean-Roland, allez-y, oui, vous avez la parole. Monsieur Apollo, la parole est à vous. Azhar, please give speaking to Mr. Apollo Jean-Roland. Voilà, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, excusez-moi, il me semble que il y a eu un problème technique, du coup, j'arrivais pas à me faire entendre. Aussi, excusez-moi aussi pour le retard parce que en fait j'ai eu un problème avec l'ordinateur. J'essayais de me connecter depuis bien avant 11h, mais j'avais un gros problème technique avec l'ordinateur. C'est tout à l'heure que j'ai pu entrer dans le Zoom. Et moi, je prends la parole pour une équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà, et donc nous sommes très intéressés par l'appel à manifestation. Nous avons déjà constitué le dossier, il est bien complet. Nous étions sur le point de vous le transmettre lorsque nous avons vu que la date a été reportée au mois de juin. Et donc, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de participer à cette rencontre pour avoir peut-être des informations plus amples pour peut-être améliorer en fait le dossier. Voilà, et donc nous sommes une équipe de 6 chercheurs. Notre centre de recherche, c'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qui est une fondation, qui est un centre de recherche d'excellence. Et voilà, et donc c'est à travers ce centre-là que nous candidatons. Et donc nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous donnez pour échanger avec vous. Et puis, dans notre équipe, notons que nous avons deux dames chercheuses. Voilà, et puis, le reste de l'équipe est constitué de 4 hommes, et donc ça fait 6 individus. Nous pensons que ça ne poserait pas peut-être de problème à ce niveau. Il faut forcément équilibrer, je sais pas, puisque j'entendais parler tout à l'heure de la question du genre. Je vous remercie. Merci à vous. Non, non, rassurez-vous, hein, on ne s'attend pas forcément à oui, un équilibre parfait homme-femme. Oui, non, non.
Voilà, parce que bon, déjà, il y a une évidence qui est là, c'est que, il n'y a pas autant de femmes, en tout cas selon les chiffres, il n'y a pas autant de femmes scientifiques que d'hommes scientifiques. C'est tout à fait normal qu'il y ait dans une équipe donnée plus d'hommes que de femmes. C'est juste que l'un des objectifs, comme je l'ai dit, c'est que le GDN aimerait vraiment promouvoir le rôle des femmes à travers ce programme-là. Donc, on aimerait vraiment qu'elles puissent également, à travers ce programme, participer, apporter finalement leur contribution à la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, c'est bon, on peut dire ainsi, vous avez minimum déjà au moins une femme, c'est déjà bien, oui. Déjà au moins une femme, c'est déjà bien. Ça pourrait voilà, contribuer à donner. Mais déjà, vous avez deux femmes, hein, c'est dans l'équipe, moi je me dis que oui. C'est déjà très intéressant. Oui. Voilà, merci. Oui. C'est ce que j'ai à dire sur la question, Jean. Ok, donc je vois quelqu'un d'autre qui parle de. Voilà, c'est Monsieur Armand. Il dit prière d'apporter quelques précisions sur le profil souhaité du point focal, rang et grade universitaire. Donc, Monsieur Armand, concernant votre première question, hein, il n'y a pas vraiment. En fait, voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. C'est que le grade ou bien le rang n'est pas vraiment un facteur déterminant. Ce qui pourrait compter quand on prend les chercheurs individuellement, c'est vraiment, je pense, par exemple, à l'expérience, l'expertise, voilà. L'expertise dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et comme j'ai eu à le dire, bon, peut-être je ne l'ai pas dit assez, mais les jeunes chercheurs également, hein, les jeunes chercheurs sont encouragés également à faire partie. Quand je dis jeunes chercheurs, je pense aux doctorants, aux postdoctorants. Donc, en termes de grade, si je prends le CAMES, par exemple, les assistants de recherche, les maîtres de recherche, pourquoi pas? Oui, nous, pas forcément les chercheurs seniors, voilà, tout simplement. Ce n'est pas dit que c'est réservé qu'aux chercheurs seniors, non, c'est un mélange de chercheurs juniors et seniors. Donc oui, une équipe peut-être d'ailleurs, peut-être peut avoir comme leader un jeune chercheur, hein, ça, voilà, ça ne réduit pas la qualité de l'équipe. C'est vraiment l'expertise surtout et la complémentarité entre les membres de l'équipe. Ils vont jouer un rôle, je pense, un rôle déterminant, en tout cas parmi les facteurs et les critères de sélection. Concernant votre deuxième question, peut-on soumettre des propositions sur plus d'un pays? Si oui, quelles seraient les conditions? Non, on ne peut pas soumettre, c'est juste, c'est vraiment par pays parce que bon, quand vous êtes dans un pays donné, voilà, vous êtes dans un pays donné, donc vous allez candidater pour ce pays-là, pour ce, voilà, le pays dans lequel vous êtes. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est comme ça que je vois ça. Bon, je ne sais pas, peut-être vous parlez peut-être de nationalité, je ne sais pas, peut-être c'est parce que la question n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas très clair. Daniel, there is someone who is asking if. He is allowed to submit applications for two countries. For more than one country, yeah, more than one country. I said, I don't think so because when you are based in Francophone Africa, you are supposed to, yeah, to have a main country in which you live, you work, so you will submit your application. As part of living in this country, what do you think? Yeah, from the question, I understand that if there is a team that has members from different countries, but this, as you have said, that it should be if the study is undertaken, it will be undertaken in one country, and see given the nature of the budget. But if the teams can conduct maybe the study in two countries, because the teams are coming from two countries, given the size of the budget or the budget which we have, then it's okay. But we have said that for one country because of the budget. But if we have a multi-country team, then it's okay to submit the application if they think they can do it within two countries.
Or maybe the other option is that they submit from teams within or from different countries, but the study will be undertaken in one country. Yeah, that is okay also. Okay. Okay, donc Daniel dit que toujours voilà concernant la question de Monsieur Armand. Donc, si les membres sont répartis dans plusieurs pays, donc bon, déjà en fait, un pays, on se concentre sur un pays compte tenu du budget, mais si les membres sont dans plusieurs pays, vous pouvez soumettre, voilà, pour les deux pays. Donc, cela suppose que, voilà, un chercheur béninois qui travaille avec un chercheur burkinabé. Donc, oui, deux candidatures, une pour le, comment dire, le Burkina et une autre pour le Bénin. Mais ce que je crains, c'est si c'est le même dossier, voilà, si c'est le même dossier que vous allez soumettre, je me dis parce que finalement, nous ne nous basons pas forcément sur les pays. Bon, peut-être petite précision, c'est que les cinq pays dont je parlais là, il n'y aura pas, par exemple, il n'y aura pas deux équipes de recherche pour un même pays. Quand on fera la sélection, non, il y aura cinq pays distincts, voilà, en Afrique francophone. Cinq pays distincts, donc cinq équipes basées dans cinq pays différents. Voilà. Je peux comprendre éventuellement si, par exemple, on disait qu'on allait faire une sélection par pays. Bon, là, par exemple, si votre candidature, par exemple, au Bénin, pour le Bénin, ne marche pas, peut-être qu'il y a des chances qu'elle marche pour le Burkina, mais c'est pas le cas. On va mettre toutes les candidatures sélectionnées et retenir, voilà, cinq équipes, voilà, merci. Now, yeah, I think we answer to... Ah, okay, yeah, he gave this precision, yeah, he said, for example, let's say the researchers, the team researchers are working in, for example, in Cameroon and Chad. So, yeah, that's, yeah, okay. I answered, I told him your answer. And yeah, I think I don't see other questions, but someone, Edouard, is raising his hand. Monsieur Edouard, oui, la parole est à vous. Someone is raising the hand. Hello? You listen to me? Hello? Oui, bonjour. Yeah, yeah, okay. Bonjour. Merci de ce webinaire qui, mais qui vient quand même en retard, il faut l'avouer. Parce que moi, j'avais déjà soumis mon projet dans les délais du premier et que là, vous nous demandez à la fin presque de ce qui a été fait avant. Bon, mais la question que j'allais poser, elle a été posée par quelqu'un, c'était celle de savoir est-ce qu'il fallait retirer les dossiers que nous avons déjà soumis. Ça, c'est le un. Et deuxièmement, j'ai une autre question. Au cas où le dossier serait retenu et que le budget, je n'ai pas compris, je ne rentre pas dans les mécanismes financiers, ils sont en Inde, mais c'est géré par l'AFID, comment ça se ferait au fait là? Comment ça se ferait? Excusez-moi, je parle. Je dis ceci. Si le dossier du Congo est retenu, oui. Les fonds viennent de l'Inde, mais gérés par l'AFD. Comment se fera réellement la pratique, des questions pratiques? Comment ça se ferait? La gestion financière. Ok, d'accord. Bon, la gestion financière, déjà, en fait, ce que je disais, je ne sais pas, le GDN a ouvert un bureau à Clermont récemment. Il y a un bureau en Europe. Je ne
sais pas si vous m'entendez. Voilà. Il y a un bureau qui a été ouvert en Europe. C'est vrai qu'initialement, c'était basé en Inde. Mais maintenant, le GDN a un bureau, en Europe. Et concernant les fonds, c'est vrai que c'est financé par l'AFD. Mais l'AFD donne les fonds au GDN qui, maintenant, se charge de voilà, les distribuer, de les allouer voilà, aux équipes de recherche retenues. Mais bon, je ne sais pas avec exactitude si c'est de l'Inde ou de l'Europe qu'on vous fera les virements. Donc, je vais demander à Daniel. He'd like to know about let's say funds. Yeah, he said, okay, if, for example, his application is okay, selected, how to manage the distribution of funds, because funds come from AFD and GDN is in India. Okay, so what could you, if you can help us? I didn't get the question. You didn't get, okay, about the funds. Yeah. So they will have 50 thousands of euros. He'd like to know, as it is AFD, which is funding the project, and as GDN is located in India, how are funds going to be, let's say, allocated to research teams which are based in Africa? I said, okay, AFD gives gave the funds to GDN, which will be in charge of distributing the funds to the research teams. And yeah. I precise that, yeah, GDN has recently, an office in Europe. So it will be this one which will be in charge of. But could you tell us, due to your previous experience, when GDN Europe didn't exist, how was, how was done the distribution of funds? Was it from India to, for example, from India to Nigeria, or how did you manage it? Thank you. Yeah, in terms of funding distribution, there shouldn't be any worry, because by then we had GDN India, but as for now we have also GDN Europe. So the fund will be. Distributed through the GDN Europe. However, during the past experience, also GDN India do distribute the fund to Nigeria. So there wasn't any problem in the funds distribution. So that is, yeah. Okay, thank you. And I think they should also know that some of the funds are coming from the AFD. Once they send the application, that means we have said on the side of the dissemination, we can also, GDN can also support the aspect of dissemination, yeah. I can't hear you. Now can you hear me? Yeah. Okay. So you was talking about dissemination, yeah? Yeah, what I'm saying, the budget for their projects, if it has some part of the dissemination, at some point, okay, there are some additional funds can be distributed to support the dissemination, yeah. Ah, okay. Yeah, exactly. Donc, think, voilà. Yeah. Go. Did you finish? Yeah. Okay. Donc, voilà, Daniel a dit à peu près ce que je vous ai dit. Donc, avec la création de GDN Europe, donc GDN Europe prend les fonds et vous les alloue. Et donc, je lui ai demandé de nous parler de son expérience puisqu'il a managé le cas du Nigeria, et en ce temps le GDN Europe n'existait pas.
Donc, je lui ai demandé comment c'est fait quoi, le transfert de fonds pour l'équipe nigériane. Donc, il avait dit que donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire, que ça s'est fait, ça s'est très bien passé, que les fonds ont été alloués depuis GDN Inde jusqu'en Afrique. Il n'y a pas eu vraiment de soucis à ce sujet-là. Donc, bon, donc dans notre cas, on parle de l'Afrique francophone. Donc, rassurez-vous, donc, le transfert sera fait en fait de GDN Europe vers l'Afrique francophone. Et autre précision aussi, voilà, c'est que les 50 000 euros qui seront donnés à l'équipe, c'est vraiment pour mettre en œuvre, adapter la méthodologie au contexte local. Et s'il y a des frais additionnels, par exemple, les frais liés aux événements dont je parle, quand il y a des événements, notamment le workshop, l'atelier régional, la conférence à mi-parcours, la conférence finale, c'est le GDN qui prend en charge les coûts éventuels qui vont avec ces événements-là. C'est également le GDN qui sera chargé de prendre en charge les frais liés à la dissémination des résultats qui découlent de vos recherches. Et également pour la production des rapports pays, ce n'est pas à déduire, en fait, les fonds ne sortiront pas en fait du montant qui vous sera alloué. Voilà. C'est au GDN que revient. Voilà. C'est au GDN que. Voilà. C'est le GDN qui prend en charge les coûts additionnels. Voilà. C'est ça. Et peut-être autre chose dont je n'ai pas peut-être parlé pendant la présentation, c'est concernant la traduction. Donc, vous avez certainement, pour ceux qui ont déjà commencé à préparer des candidatures, vous avez certainement vu que la documentation est majoritairement en anglais, parce que bon, la langue de travail même du GDN, c'est vraiment principalement l'anglais. Mais rassurez-vous, il y aura en fait une procédure de traduction qui sera mise en place. En tout cas, on compte traduire les documents avant que vous ne commenciez vraiment le travail même, voilà. Avant que vous ne commenciez, on va traduire des documents qui seront pertinents pour vous dans la mise en œuvre de ce projet-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire concernant la traduction. Et bon, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, donc les rapports pays qui ont déjà été faits sont en ligne, notamment celui du Nigeria. Ils sont accessibles à partir du site du GDN, donc vous pouvez toujours les consulter. Les documents relatifs à la méthodologie, même Green Research Assessment, sont également accessibles en ligne. Donc, bon, nous, on va vous traduire surtout les documents pour la mise en œuvre de la méthodologie et éventuellement, on verra bien, on est en train de réfléchir à ce sujet-là. Éventuellement, peut-être on verra si voilà, les guides d'entretien et autres également seront traduits. Donc maintenant, je vois Madame Claudine Rami Harrison. Oui. La parole est à vous. Claudine, voilà, allez-y, la parole est à vous, allez-y. C'est bon? Oui, c'est bon, oui, on vous entend, oui. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Et oui, oui, on merci vous entend. pour la présentation. Hein. Je pense que ça clarifie pas mal de choses sur ce que nous avons déjà essayé d'analyser à Madagascar même. Mais j'ai quand même des questions à vous poser. Il me semble avoir vu sur votre présentation de tout à l'heure qu'on a besoin des CV. Exactement. Et tous les CV, même s'il y a 10 personnes, s'il y a 10 membres d'équipe, on envoie les CV alors. Exactement. Même s'il y a 10 membres, voilà, il faut joindre tous les CV parce que, comme je le disais, l'évaluation se fera. En fait, il y aura une évaluation. Il y aura une évaluation à l'échelle de l'équipe, donc une évaluation collective de l'équipe, même la pertinence de l'équipe. Mais il y aura également une évaluation individuelle. Donc, on prendra
les CV 1 à 1, voilà. Les candidats qui constituent les. D'accord, merci. Merci bien. Ma deuxième question, c'est. Pardon? Allez-y. Oui. Toujours dans votre présentation, hein, vous avez parlé de financement, de quatre décaissements pour la réalisation de cette évaluation. Et donc, peut-on savoir à quelle phase correspondent ces quatre décaissements? Voilà. Ces quatre décaissements, d'accord. Je vous en prie. Donc, ces quatre décaissements correspondent en fait, en gros, aux quatre phases même de la méthodologie. Mm-hmm. Voilà. Donc, vous aurez en fait, le premier décaissement aura lieu juste au moment, j'ai envie de dire, hein, au moment de l'atelier régional. Vous aurez un premier décaissement. Ensuite, quand vous aurez fait la partie, la première, parce que je vous ai parlé de trois étapes, l'analyse contextuelle, la cartographie des parties prenantes, voilà, troisième, c'est les indicateurs, et enfin, quatrième, si on peut considérer ça comme une étape, c'est la dissémination même des résultats. Donc, en amont de chaque étape, normalement, déjà là, on va se dire que le premier décaissement aura lieu autour d'octobre-novembre, compte tenu de la date du workshop de l'atelier régional. Et une fois que vous aurez fait la première étape d'études contextuelles, voilà, autour de la fin de cette étape, voire le début de la deuxième étape, vous aurez le deuxième décaissement. D'accord. Ainsi de suite. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura toujours donc des rapports avant les décaissements? Exactement. Il y aura des rapports, si vous voulez, des rapports à mi-parcours. Parce que ce qu'on fait, c'est que, si vous voulez, la première étape, c'est l'analyse de contexte. Vous aurez à produire, en fait, un pré-rapport qui parle de l'analyse de contexte. Voilà, dans quel contexte se trouve le système de recherche? Voilà ce que j'ai expliqué durant la présentation. Ça, c'est un premier pré-rapport. On peut considérer ça comme un chapitre. Ensuite, il y aura la deuxième étape, à cela aussi correspond du matériel écrit. Il y aura la troisième étape, voilà, et il y aura au final vraiment le rapport final, le rapport pays. C'est ça, c'est vraiment par étape en fait. Et durant ce travail-là, vous aurez des mentors, bien entendu, qui vous aurez l'occasion de les rencontrer pendant le séminaire, l'atelier régional. Ce sont des gens qui ont une expertise sur la recherche et l'enseignement supérieur en Afrique. Donc, ils vont vous apporter un appui dans la rédaction de ces documents. Et avant même que le Doing Research, l'équipe Doing Research n'ait vos rapports, en principe, hein, c'est eux-mêmes qui vont d'abord porter un regard critique sur l'avancement des rapports une fois qu'ils auront lu et commenté. Donc, ils nous passent les rapports à l'équipe de recherche. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. Daniel, maybe if you'd like to say something about the case of, the case of Nigeria. Yeah, about, she asked about, the distribution of funds. And also, as I told during the presentation, that they will have the sum, dislocated in different parts. And also, she wants to know about this. And also, she asked about, let's say, the submission of, let's say, reports related to the different steps. I said, for each step, normally they have a pre-report to submit, and they will have, so if you can share about the case of Nigeria, it will be maybe interesting. So far, we, in our funds distribution, we have three tranches, right? So four tranches. Then in the beginning, when we signed the contract,
And then when they submit the context analysis, the stakeholder mapping, and then the chapter three, the doing research framework assessment, but also during the finalizing stages of the dissemination. And we don't normally just wait sometimes until the perfect point has reached, that until the team has submitted a report, because sometimes you may find that the team may request it the fund earlier to see that the fund can help to continue the activities. So if that happens, and normally in very rare cases, if it happens, then we don't restrict the submission of funds. But generally, the funds are distributed according to the timelines which you have said, but also according to the, you know, to the deliverables which we are saying, okay, at this point we want to see this kind of deliverable, and then we'll distribute the fund. But if the team claims that this deliverable, we are out of fund and we need to continue the activities in order to reach this kind of deliverable, then the GDN had that allowance to, you know, to distribute the funds area or before. Before, okay, thank you. Yeah. Okay, donc, Madame Claudine, si vous m'entendez, voilà, donc en gros, hein, il a, voilà, concernant le cas du Nigeria, je vais vous demander de parler du Nigeria. Donc, c'était comme ça que ça s'était passé, donc, attribution de fonds en amont de chaque étape. Et voilà, ce qu'il a ajouté, c'est qu'il peut y avoir éventuellement des moments où peut-être que l'équipe a besoin de financement, mais qu'elle n'a pas vraiment finalisé l'étape qui lui permettrait d'avoir le financement. Donc, suite à des discussions avec le GDN, donc, s'il le faut, hein, le GDN peut éventuellement donner les fonds en attendant d'avoir... comment dire, le document, voilà, qui est censé être reçu avant l'attribution du fonds. Merci. Monsieur Papa Yoni, la parole est à vous. Monsieur Papa Yoni, vous nous entendez? Excusez-moi, Papa Yona, oui, je ne sais pas si... Monsieur? Ah oui, là, il nous entend, je pense. Oui, allez-y, vous avez la parole. Monsieur Papa Yona, vous nous entendez? Allô? Oui, on vous entend, oui. Oui, bonjour. Je suis Papa Yona Mané. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis, au Sénégal. Je voulais poser une question sur par rapport à la rédaction du rapport. Vous aviez dit tout à l'heure les 50 000 euros ne prennent pas en compte la rédaction du rapport, peut-être que GDN va s'en charger. Est-ce à dire que les chercheurs qui participent, l'équipe de recherche qui participe, les subventions aux chercheurs individuellement ne font pas partie des 50 000? C'était ça ma question, de savoir. Je n'ai pas compris. Les chercheurs individuels, s'il vous plaît, si vous pouvez, oui. Oui, vous avez dit que pour la rédaction du rapport, si j'ai bien compris, les 50 000 euros ne prennent pas en compte la rédaction du rapport. Mm-hmm. Est-ce que à dire que les chercheurs qui vont participer à l'équipe de recherche ne percevront quelque chose que hors les 50 000? C'est juste, voilà, l'enveloppe, c'est vraiment 50 000 euros pour l'équipe. Mais en dehors de cela, non. Comme je l'ai dit, par exemple, quand il y a des événements, le GDN prend en charge les déplacements.
parce que là, nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir au lieu d'organisation de l'atelier. Donc, quand le lieu sera déterminé, c'est au GDN de vous prendre en charge. Maintenant, vous voulez savoir, si je comprends bien, si en dehors des 50 000, les chercheurs auront autre chose? Oui, je pense que peut-être que c'était justement qui n'avait pas compris que la rédaction du rapport va être financée hors les 50 000. Mais j'ai compris, donc c'est dedans, c'est dans les 50 000. Maintenant, je voulais savoir l'exigence par rapport aux preuves de décaissement, d'utilisation des fonds. Est-ce qu'il y aura une session, il y aura des explications sur les aspects budgétaires et financiers? Comment justifier l'utilisation des fonds? Ah, OK. Comment justifier? OK, bonne question. Je sais, en fait, si vous voulez, le workshop qui aura lieu en octobre ou novembre 2022 de cette année, voilà, ça sera une occasion de rencontrer, comme je l'ai dit, les mentors, l'équipe Doing Research. Mais pour la gestion des budgets, non, à ma connaissance, il n'y aura pas de gestionnaire de budget. Mais bon, je vais demander à mon collègue. Daniel, excuse me. Yes. Can you, yeah, he'd like to know about, let's say, the management of farms. Are research teams going to be trained about this aspect or not necessarily? Yeah, so I said, yeah, I don't think during the workshop we will not have, I don't think, this kind of training, but could you tell us about the case of Nigeria, if the team members were trying to, let's say, manage the funds or just GGND transferred to them and without controlling the use of, let's say, this funds, yeah. Yeah, normally GGN doesn't control. Control the use of funds. So the fund will be just to provide, and this maybe can be an institutional account because I want to make sure that the funds are reached to the right direction. So they provide their own account, and then the account is provided, the money is sent to the account. How the money is being used, that is up to the team. And during the workshop, we just focus on the implementation aspect, just to learn about the research methodology, but also the implementations, the timelines, and you know the whole process about the framework, the methodology. Yeah. Okay. Thank you. Donc, Monsieur Papayona, voilà, Daniel confirme en fait ce que je disais, c'est que durant le workshop, il n'y aura pas en fait quelqu'un qui va, il n'y aura pas de formation en fait sur ces aspects-là. Donc, il précise que justement, quand les fonds vous seront donnés, c'est vous, libre choix à vous en fait, libre à vous en fait. De les utiliser comme vous voulez. Il n'y aura pas vraiment de contrôle du GDN pour voir, tel montant est parti ici ou là. Non, c'est à vous de gérer ces fonds. Vous aurez juste besoin, bien entendu, de fournir un relevé, un RIB, un relevé d'identité bancaire qui permettra au GDN de vous faire les transferts. Voilà, mais sinon, au workshop, au niveau, pendant l'atelier, ce qui est certain, c'est que vous aurez, les équipes qui seront retenues bénéficieront d'une formation par un data scientist sur la gestion, le traitement des données. Ça, c'est certain, oui. Donc, il y aura cette formation-là et il y aura, bien entendu, beaucoup de discussions interactives entre l'équipe Doing Research et les équipes nationales autour de cette question de méthodologie Doing Research Assessment. Voilà. Donc, de façon à ce que vous l'appropriez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. J'ai donné, là, c'est Monsieur Armand. Vous m'entendez? Oui, allô?
Allô, oui, oui. Oui, merci. Merci pour votre présentation. Mais en réalité, vous avez déjà apporté des réponses à notre préoccupation. Précédemment, on a soulevé deux préoccupations. Premièrement, celle de la description un peu du profil du point focal. D'accord. Vous avez apporté des précisions ainsi que l'éventualité de considérer des pays, un projet à multi-pays. Donc, vous avez également apporté des réponses. D'accord. Okay. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Je pense que M. Nourou a déjà... Oui, M. Nourou, je vois votre main levée. Oui, oui. Oui, c'est surtout toujours par rapport à la gestion des fonds. L'exigence, c'est d'être dans une institution, soit universitaire ou de recherche. Et chaque institution a ses règles de gestion de fonds. Donc, on ne peut pas dire qu'on va gérer les fonds comme on veut. C'est-à-dire, ça loge dans, au moins c'est dans le compte de l'institution et il y a quand même des procédures à suivre par rapport au décaissement et tout ça. Donc, l'institution a ces règles souvent, ces pourcentages pour prélever dans les fonds provenant de recherches. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok, d'accord. Okay. Daniel, so he is asking yes. about the management of funds. He said that researchers can't manage the funds as they'd like because each research institution has its own rules of managing the funds. So, what about this aspect? Because the institution could take a part of the fund for its own, let's say, work. So. How to? I don't think a researcher could provide his personal, let's say, identification. I don't know. I'm not sure about this. Yeah. So what could you say about it? Yeah, I think what is important there is that I know that some institutions could take up the institutional fee. They call it as institutional fee. So normally, what you are saying. This kind of negotiation or just, let's say negotiations will be within the teams and the institutions. And the teams should indicate this in their budget that we'll be doing we have this budget and some of the amount will be supporting this and that, some of the amount will be paying this and that. So that should be within the budget. What GTN will not do, as I've said, is try to direct the team how to use the fund. Yeah, that is what it won't be directed by GDN. Okay. But I know that there are some institutions. Go. Yeah, I think that is it. Okay, can you confirm that the funds go to the research institution or? Are there cases or researchers are the one who, manage themselves? I don't think so. Can you confirm? Yeah. Maybe the question there, about the individual account and the institutional account. The money will not be sent. Yeah, the money will not be sent to the individual account. GDN has to ensure that the. Yeah, GDN has to ensure that the money which is sent to the right account because so that this money can be able traced or tracked in case of maybe it has not reached to the particular individual. So I think that is the best point. However, the teams can indicate in their proposal. And once the teams have won the project, then the discussion about how to manage or where to
to wire the money should be there. I think the GDN is flexible to have the account which is reliable send the money. So it may not be an institution account, maybe an account which is managed by several individual entities, a credible account. That is it. But this at the point of the team has won the project, and now we can discuss on how we can transfer the money. Okay, so it's supposed that the money funds don't go necessarily directly to the institution, that it can. It may not go to the institution, but what I'm saying, we need to have the reliable account. This team, some of the teams may find that they don't have the. Some of the teams they may have organized themselves, but they may decide, okay, we can use this institution so that we can use this institution's account to wire our money, not necessarily their own account. So it depends on the level of communication and negotiation they have within the team. And that should be the point when we now, at the point of, you know, signing the contract, they can say, we prefer to use this account and not that account. So that is okay, Okay, thank you. Okay, donc, oui, voilà, si vous m'entendez, donc, concernant votre question, hein, c'est, oui, c'est vraiment les fonds vont vers les institutions, mais bon, Daniel dit que éventuellement il pourrait y avoir des négociations avec le GDN, c'est-à-dire vous êtes normalement basé dans une institution donnée, mais durant les négociations, vous pouvez dire que d'accord, vous voulez que vos fonds soient transférés vers telle institution. Là où vous avez, bien entendu, c'est vrai comme vous l'avez très bien souligné, il y a des institutions qui prélèvent, j'ai envie de dire, des frais, voilà, des frais de gestion et tout. Mais là où vous avez vraiment quand même une certaine marge de manœuvre, c'est concernant l'utilisation même des fonds. Le GDN ne sera pas là à dire, d'accord, on vous a fait tel virement, voilà, est-ce que vous avez tout utilisé ou non? Non, le GDN vous fera les virements. Maintenant, bon, concernant les frais de gestion, donc c'est vraiment à voir avec votre propre institution. Et précision, bien entendu, pour une question de, voilà, de, j'ai envie de dire, voilà, il faut juste que le compte soit fiable, que ça ait lien avec une institution. Donc, visiblement, il n'y aura pas de transfert vers des individus, voilà. Donc oui, peut-être, voilà, là où peut-être vous manquerez un peu plus de flexibilité, c'est que vous aurez peut-être, oui, à prélever dans l'argent, dans comment dire, le financement, les frais de gestion pour l'institution, mais pour le reste, vous êtes libre d'allouer l'argent aux activités comme bon vous semble. Là, comment vous avez passé de ma journée. Merci. Donc, je pense other hands, I think, yeah, we answered to almost, I think, almost all the questions. I think. Just to regard our meeting. So I think you should, yeah. Just one question. Voilà, quelqu'un qui demande, puisque la date a été reportée au 30 juin, y aura-t-il d'autres webinaires d'information? Et quand pourra-t-on avoir les résultats des sélections pour ceux qui ont été déjà déposés? D'autres webinaires d'information, non? Mais pour votre information, ce webinaire a été enregistré, donc on le mettra en ligne en fait sur le site du GDN. Si vous avez éventuellement des questions, vous pouvez nous écrire via l'email de Doing Research. Nous répondrons à d'éventuelles questions supplémentaires. Maintenant, concernant la sélection même, normalement l'appel sera bouclé en fin juin. Nous procéderons donc à la sélection courant juillet.
Oui, donc en principe vers juillet déjà, bon août comme c'est voilà, c'est un mois qui est un peu calme, c'est un mois de vacances éventuellement, donc juillet déjà on peut déjà commencer à contacter voilà ceux qui ont été sélectionnés. Et bien entendu, il y aura vraiment des échanges en amont avant même le workshop, l'atelier régional. Nous comptons vraiment échanger de façon virtuelle avec vous. Voilà, apprendre à se familiariser et après, c'est après cela qu'il y aura le workshop. Donc, nous vous tiendrons au courant normalement des résultats de vos candidatures en principe courant juillet. Hein. En principe courant juillet et vers fin octobre, début novembre, il y aura voilà, l'atelier régional là, durant lequel vous aurez encore beaucoup plus d'informations sur le programme et éventuellement sur la suite aussi des projets. Donc, comme je le disais aussi, hein, il y aura trois appels, enfin, il y aura encore d'autres appels lancés, qui seront lancés par le GDN. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site du GDN, ils seront lancés cette année même. Donc, si vous voulez, il y aura donc trois appels. Toujours ces trois appels donc, comment dire, qui seront lancés, qui seront en cours parallèlement. Le programme, l'appel d'une recherche et les deux nouveaux appels, ils sont tous axés sur l'Afrique francophone, sachant que bon, le troisième projet a un nombre de pays beaucoup plus restreint, puisqu'il s'agira en fait d'appuyer des think tanks uniquement au Sahel. Voilà, uniquement au Sahel. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc, bon, je précise, hein, si vous avez d'autres questions, on pourra continuer la communication à travers par mail, voilà, par mail. Merci beaucoup vraiment de votre intérêt pour ce webinaire. I don't know, Daniel, if you'd like to add something. I think, yeah, we answered to almost, I think we answered to your question. If you have something to add, then we are ready. Yeah, maybe just to remind the this recording will be available online, but also if there are other questions so far, they can still send the question to the GDN doing research email, and then we'll be answering their questions accordingly. Okay, that's exactly what I told them, yeah. Okay, so voilà, donc voilà, c'est voilà. Daniel vient de dire, hein, voilà, aussi que voilà, vous êtes, n'hésitez pas en fait à poser vos questions à travers Green Research, l'email de Green Research et éventuellement, comme je vous l'ai dit, voilà, la vidéo a été, la session de formation a été enregistrée, ça sera mis à votre disposition sur Internet. Voilà, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci encore, merci vraiment à chacun et à chacune d'avoir pris part à cette session d'information. Donc, nous vous disons alors à très bientôt. Merci encore. Ok, au revoir. Ah, Monsieur Nouron, ah oui, Monsieur Nouron qui demande si on peut avoir l'enregistrement par mail. Je ne suis pas certaine. Je pense que ça sera mis en ligne hein, sur le site du GDN parce que par mail même ça risque d'être lourd en fait. Ouais. Je pense, ouais. Donc, oui. Je pense que ça sera mis en ligne sur le site du GDN. Par mail, ça m'étonnerait. Merci. Merci encore. Au revoir. Ok. Merci.